La pierre papier, qu'est-ce que c'est? Je suis Albert Sâtre, auteur de Vivre de l'immobilier aux éditions Érégor. Et je fais cette vidéo pour vous inviter à rejoindre notre communauté d'investisseurs immobiliers audacieux. Rejoignez-nous sur vivreimmo.fr. La pierre papier, c'est une société d'investissement collectif. Vous allez acheter un titre et non être propriétaire d'un bien. Il y a plusieurs formes possibles. Les SCPI, pour société civile de placement immobilier, cela fonctionne comme les assurances vie. C'est une société qui collecte l'argent d'épargnants pour investir. Chaque SCPI a une vocation avec un objectif. Par exemple, acheter des bureaux, des centres commerciaux ou des logements. OPCI, pour organisme de placement collectif immobilier. Dans ce type de structure, il va pouvoir y avoir deux types d'investissements à la fois immobilier et financier. SIIC pour société d'investissement immobilière cotée. Les avantages. Premièrement, c'est plus liquide. C'est plus facile de revendre une part qu'un appartement entier. Deuxièmement, le montant d'investissement peut être faible. Par exemple, 50 euros. Troisièmement, tout est géré pour vous. Vous n'avez rien à faire. Juste à choisir le titre. Et après, c'est de l'investissement passif. Les inconvénients, donc ce sont les frais de gestion, puisque cela va aller impacter votre taux de rentabilité, puisqu'il faut payer la société qui gère l'ensemble. Également, le risque de marché, puisque si la société est investie uniquement en bureaux et que le télétravail augmente, à ce moment-là, il y a plus de bureaux vacants. Et troisièmement, il n'y a pas d'effet de levier. Vous allez investir votre épargne disponible. Si vous souhaitez savoir comment j'accompagne les investisseurs immobiliers audacieux, je vous invite sur vivreimmo.fr. Plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.